Good morgen, Aleiden, les tussois aujourd'hui, le Nishmat Moshe Michel Ben Aline Bachna Rachel, Peggy Bat Esther, Robert Baruch Ben Jamil Taraba Cohen, Bid Ben Fortun Mazam, Priye Fritna, Lucienne Batraina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous séduire une prochaine étude de Mishnah pour 5 minutes éternelles, nous étions à Sachet Sota, Périgimel, Mishnah Chet. Ma Ben Ishle Isha, Ha Ish Porea ou Porem, Ve'en Ha Isha Poraat ou Poremet. האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה המדירת את בנה בנזיר. האיש מגלח על נזירות אביו, ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. האיש מוכר את ביתו, ואין האישה מוכרת את ביתה. האיש מקדש את ביתו, ואין האישה מקדשת את ביתה. האיש נסכל ערום, ואין האישה נסכלת ערום. האיש נתלה, ואין האישה נתלית. Aish nimkar bignevato, ven aisha nimkeret bignevata. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait vu les différences entre le Kohen et la Kohenet. Du coup, on va prendre le même sujet, on va l'étaler maintenant sur tous les hommes et les femmes. On va rapporter plusieurs misotes qui sont différentes entre les hommes et les femmes, sur lesquelles qui vont incomber aux hommes et pas aux âmes, et pas aux femmes. À part le problème de la mitzvot Hashem Grama, c'est pas le sujet de notre Mishnah en ce moment, vous savez, il y a toutes les mitzvot ponctuelles qui dépendent du temps. Les femmes ne sont pas imposées. Mais là, on va parler même de choses qui ne sont pas ponctuelles. D'accord, que les femmes ne sont pas imposées par ces mitzvot-là. En l'occurrence, ma ben ish l'isha, quels sont les mitzvot qu'il y a entre l'homme et la femme? Alors, on va commencer avec une première partie, que, avec un premier halakha, c'est aish porea ou porem, ven aisha porat ou poremet. L'homme a le devoir de se laisser pousser les cheveux et de déchirer les vêtements. De quoi tu parles? Bonne question, encore une seconde. Tandis que la femme n'a pas ce devoir de se laisser pousser les cheveux et de se déchirer les vêtements. On parle en fait lorsqu'il devient un menouga, il a la tsarat, c'est un lépreux. Le lépreux, il a le misère, il va connaître qu'il est décrété que Metzora Mouchlat est devenu Metzora, il faut l'éjecter du camp. Alors là, il a l'interdit de se couper les cheveux et il doit marcher avec des habits déchirés comme un endeuillé. La femme n'a pas ce devoir-là. C'est déduit de Psukim que partout la Torah, Ishtawa, Ishtawaou, Tamehu, je crois que c'est dit dans le Pasuk, Ish, Ishvelo Isha. Et là, on apprend que donc, la femme, elle a passé, mais la femme, lorsqu'elle est née, même lorsqu'elle est née, elle est de Metzora'at, qu'il faut l'extradier du camp, elle n'aura pas le devoir de ne pas se couper les cheveux, ni de se déchirer les vêtements. Elle pourra rester habillée telle qu'elle. Ensuite, Aish Madir et Beno Benazir, maintenant, on va comparer, là, dans la prochaine série, on va avoir trois halakhot particulières qui vont parler du droit que le père a sur son fils, que la mère n'a pas le même droit. En l'occurrence, une première, on les a vus, pour deux d'entre eux, on les a vus déjà lorsque nous étions dans Maseret, les quatre sujets, on va voir là maintenant. On avait vu dans ce qu'on était à la fin de Maseret Nazir, on les a déjà évoqués. On les rappelle vite fait. Aish Madiret Beno Benazir, Ven Aisha Madiret Bena Benazir. Un homme a le droit, la possibilité de faire prendre son fils Nazir. C'est un fils, il peut l'éduquer. On avait évoqué qu'il peut l'éduquer, éduquer son fils. Même son fils qui est petit, à le rendre nazir pendant 30 jours et à même apporter des corbanotes lorsqu'il finit, tandis que la femme, la mère, n'a pas ce droit sur son fils. De même, Aish Megaleach al Nazirut Aviv, la mère n'a pas le droit sur son fils de le rendre nazir. D'accord, on avait évoqué le principe, on ne va pas allonger trop, sinon ça va être trop long. Ensuite, Aish Megaleach al Nazirut Aviv, Ve'en Aisha Megaleachat al Nazirut Aviv, on parle de sa position de Nazirut, mais dans l'autre sens. Soit on parle d'un père. Il y avait Yaakov, il avait prononcé un vœu de Nazir, il avait pris de l'argent. Il avait dit, avec ça, je vais porter mes corbanotes de Nazir. Le pauvre Yaakov, alach le'olamo, il est parti, il est décédé, lahmou. Et quoi, maintenant il y a son fils, Reuven, qui est lui aussi un Nazir. Il y avait une machloquette dans quelle situation exactement, en tout cas il est aussi Nazir, il a utilisé l'argent qu'il a reçu dans l'héritage de son père pour les corbanotes de Nazirut, pour l'utiliser pour ses propres Nazirut. C'est un héritage très particulier, que l'argent est déjà plus ou moins kadosh pour les corbanotes de Nazirut. Le fils a le droit d'utiliser cet argent pour porter ses corbanotes, tandis que la fille qui hérite son père, s'il n'y avait pas d'autres frères, donc c'est la fille qui va hériter maintenant, elle ne pourra pas utiliser cet argent-là spécifiquement pour apporter ses corbanotes de Nazirut si elle était elle-même nazir. Ou si elle est devenue nazir ensuite pour utiliser cet argent, elle ne peut pas l'utiliser cet argent. Cet argent, il aura une fonction spéciale, il faudra la porter au Beth Amikdash pour faire des davot, des cadeaux au Beth Amikdash avec. Ensuite, le droit du père sur son fils, et sur sa fille maintenant. 2. Aish mocher et bito, ven aisha mocher et bita, l'homme a le droit de vendre sa fille en servante, ama ivria. La parasha de ama ivria dans le parasha de Mishpatim, on parle d'une servante
Jusqu'à ce que la fille elle atteigne sa majorité, ses 12 ans, le père a un droit sur elle de la vendre. Comme de la vendre en esclave chez quelqu'un, de la vendre en servante. Il y a des lois spéciales, bien sûr, évidemment, c'est pas. En tout cas, le père a ce droit, mais la femme n'a pas ce droit-là de racheter, de vendre sa fille. De même aussi, Aish Mekadesh et Bito, Venaisha Mekadesh et Bita, un homme a un droit de sa fille de la marier à qui le veut, jusqu'à qu'elle atteigne, jusqu'à qu'elle devienne Bogueret, tant qu'elle a 12 ans, même jusqu'à 12 ans et demi, le père a le droit de marier sa fille, de décider avec qui il va la marier. Neara, jusqu'à qu'elle, tant qu'elle est même Neara, il peut la marier, il prend son telle personne, ça lui convient, il donne sa fille, il donne la main de sa fille. Tandis que Venaisha Mekadesh et Bita, la mère n'a pas ce droit de marier sa fille à qui le veut. Ensuite, on va parler maintenant des trois condamnations. Le premier, c'est Aish Niskal Arum, 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 Venaisha Niskelet Aruma. L'homme, lorsqu'on fait la skila, un homme qui se fait lapider, ben figurez-vous qu'il faut le lapider, on lui fait la lapidation quand il est tout nu. Est-ce qu'on lui couvre le membre? Je crois que oui, je crois que c'est une marloquette plutôt, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, on le dénude entièrement pour la simple et bonne raison. Pour qu'il meure le plus vite possible. On a une mise à de faire qu'il va mourir facilement, de faire une mort qui va tout de suite le tuer, comme ça il va pas souffrir. C'est un chesed qu'on fait avec lui. On ne veut pas qu'il souffre. D'un autre côté, on n'a pas envie de le jeter d'une falaise de 70 mètres, sinon il va rester de la purée de lui. Ça va être comme une pastèque qu'on jette de 70 mètres, vous imaginez ce qui reste. Donc la Torah, elle a dit, écoute-moi, tu choisis le minimum nécessaire pour pouvoir le tuer, deux fois à son étage, en le jetant avec la tête d'abord, c'est sûr qu'il va tomber sur la tête, il va mourir, mais d'un côté, s'il a des vêtements, ça peut retenir et attarder sa mort, tu le dénudes pour le tuer. Tandis que Venaisha Niskelet Aruma, la femme, on ne la dénude pas pour la tuer, c'est en réalité une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce que oui, est-ce que non? Là, on va selon l'avis qui nous dit que la femme, il ne faut pas la dénuder pour la tuer. Pour son kavod, malgré tout, on se soucie. Autant qu'on se soucie. La motivation de tout le monde, c'est se soucier de la personne. Qu'est-ce qu'il vaut mieux se soucier? Alors chacun, il prend. D'accord. Donc la femme, on ne lui fait pas la skela tant qu'elle est nue. D'accord? Et c'est déduit du pasou qui rapporte. Veoseta et Aisha ou, ou et Aisha i. Et là, oto, veloxuto, velota, veloxuta. Beloxuto. Ok, on continue. Aish nitla ven aish nitlet. Vous savez qu'une fois qu'on a fini de tuer quelqu'un, de condamner quelqu'un au bedin, il fallait l'accrocher jusqu'à la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'en général, on veillait à ne pas tuer trop tôt le matin, comme ça on n'est pas pendu un mort pendant longtemps, c'est trop de bisaïon. Mais on faisait ça en général proche de du coucher du soleil. Comme ça, une fois qu'on a fini, vite vite, on l'accroche, et la nuit tombe, et on le décroche immédiatement. La machine de Saint-Denis a précisé que ça durait 2 secondes, cette histoire. Concrètement, on a le devoir, en tout cas, de pendre, ensuite, le condamner à mort, comme ça tout le monde le voit. Pour une femme, on ne lui fait pas ça. C'est de l'huile de psukim, de nouveau, vetalito oto à la etz, oto velota. Ensuite, autre halakha, c'est aussi dans Parashat Mishpatim, cette fois-ci, sur une autre condamnation, cette fois-ci, dans la condamnation de vendre en esclave. Quelqu'un qui a volé quelque chose et qui n'a pas d'argent de quoi rembourser son vol, si c'était une genevak, un vol qu'il est venu faire en cachette, alors on va le prendre et on va le vendre en esclave. La paracha de l'esclave de Mishpatim, qui tekne Eved Ivri, on parle d'un Eved Ivri, qui a volé et qui n'a pas d'argent pour rembourser son vol. Alors la Torah nous a dit, ben, tu le vends en esclave pour pouvoir rembourser son vol. Là, sur ça, la Mishnah me dit, Aish Nimkar Begnevato, Ven Aisha Nimkar Begnevata, l'homme est vendu pour sa gneva qu'il a fait, mais la femme n'est pas vendue pour sa gneva, pour son vol qu'elle a fait. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.